messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure. Soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri, Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG. L'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc. composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Malgré son ancrage dans notre quotidien, l'alcool n'est pas un produit ordinaire. L'alcool est une substance psychoactive capable d'entraîner la dépendance. Largement utilisée dans de nombreuses cultures depuis des siècles, la consommation de l'alcool entraîne de graves problèmes pour la santé. Elle a des répercussions sur le travail, la situation familiale, les rapports avec la famille et les amis. La consommation de l'alcool est un facteur étiologique dans plus de 200 maladies et traumatismes. L'alcoolisme serait, selon l'OMS en 2012, responsable de plus de 3,3 millions de morts, soit 5,9% des décès dans le monde. Et vous, où en êtes-vous avec l'alcool? Connaissez-vous les seuils à ne pas dépasser ou les effets sur la santé? Pour répondre à ces questions, je reçois pour vous sur ce plateau professeur Jean-Gabriel Wango. Professeur Wango est psychiatre. Docteur Léonce Steve Zungrana. Docteur Zungrana est hépato-gastro-entérologue au CHU de Wayuguia. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Participez à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Docteur Zungrana, quelle est la composition de l'alcool? Merci, Madame Dao. Mais avant de répondre, je vais profiter et remercier la Société Burkinabé d'hépato-gastro-entérologie et d'oncologie digestive et d'endoscopie digestive plutôt, dirigée par le professeur Alain Bouma, qui m'a désigné pour participer à cette émission. Et je profite à remercier, vraiment c'est tout un honneur pour moi de co-animer cette émission avec notre maître, le professeur Jean-Gabriel Wango, qui a activement participé à notre formation de médecin à l'université de Ouagadougou entre 90 et 98. Okay. L'alcool, disons pour les initiés, c'est un composé organique dans lequel un groupement de carbone est rattaché à un groupement hydroxyle qu'on appelle le groupement OH et à d'autres atomes de carbone et d'hydrogène. Ça, c'est pour les initiés. Sinon, c'est un liquide incolore, c'est un liquide incolore tout simplement, qui contient une substance qui est propre entre guillemets à la consommation qu'on appelle l'éthanol, qui est l'alcool entre guillemets propre à la consommation, qui est obtenu par la fermentation alcoolique de céréales ou de fruits. Pour les céréales, c'est le cas de la bière et du dolo que nous avons chez nous ici. Mais l'alcool peut aussi être obtenu par distillation. On reviendra là-dessus. Mais il y a d'autres types d'alcool, comme le méthanol, qui sont des alcools impurs à la consommation parce que pouvant entraîner vraiment des atteintes préjudiciables à l'état de santé de l'individu. Pourquoi consomme-t-on l'alcool, professeur Wango? Quel est le but recherché? Bon, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la recherche du plaisir. Vous savez, quand vous commencez à consommer l'alcool, il y a des fois où ça vous répulse et vous vous laissez tomber. Par contre, pour la majorité, ça procure du plaisir. Et
ce plaisir est oral, buccal. Mais lorsque vous avalez, vous avez cette sensation d'excitation de certaines terminaisons nerveuses qui ajoutent au plaisir. Et le problème de l'alcool, c'est qu'effectivement, chaque fois qu'on le voit, on a envie justement d'avoir ce plaisir-là. Malheureusement, plus vous buvez, peut-être en augmentant les doses, vous avez du plaisir, mais malheureusement, vous avez ce que l'on appelle la dépendance. Et c'est parce que l'organisme tolère ce que vous absorbez. Et donc, ça fait que ça devient un besoin pour l'organisme. Et on a effectivement envie de continuer de boire. Docteur Zungrana, une fois absorbé, comment l'alcool est géré par l'organisme? Disons que l'alcool, c'est vraiment une petite molécule qui diffuse vraiment lentement dans les tubes digestifs. Cet alcool-là va passer par l'estomac jusqu'au niveau de l'intestin, la portion qu'on appelle le duodénum, où 20% de cet alcool-là sera métabolisé, donc transformé. En 45 minutes, pour les personnes qui sont à jeun, ceux qui ont le ventre vide, en 45 minutes, le reste de l'alcool gagne la circulation sanguine. Et disons en 90 minutes à peu près pour ceux qui ont mangé avant de consommer l'alcool. Donc la diffusion dans le sang est plus lente. Une fois dans le sang, en quelques minutes, l'alcool est distribué à certains organes, dont le foie principalement, le cerveau, le cœur, les reins, les poumons, où l'alcool sera dégradé. Mais l'essentiel de la dégradation se produit au niveau du foie par des enzymes spécifiques sur lesquelles nous allons revenir. Mais il faut savoir que 10% environ de cet alcool-là, par diffusion, est rejeté par l'air, par la respiration, par l'expiration, aussi par la sueur et les urines. D'accord. Mais quelles sont les recommandations concernant la quantité d'alcool à ne pas dépasser? Les recommandations de l'OMS pour une consommation dite qui n'est, pour une consommation qui n'est pas à risque, l'OMS préconise pour la femme pas plus de 2 verres par jour, donc 14 verres par semaine, et pour l'homme pas plus de 3 verres par jour, donc 21 verres par semaine, en sachant que dans un verre d'alcool, on a 10 grammes d'alcool, quel que soit le type d'alcool. On s'est dit qu'un verre de whisky équivaut à un verre de bière, équivaut à un verre de cognac, donc on a 10 grammes d'alcool. En une consommation occasionnelle, il ne faut pas dépasser 4 verres d'alcool, c'est-à-dire 40 grammes. Donc l'OMS considère que c'est une consommation à faible risque. Mais ces normes ont été revues à la baisse. Le Canada en 2011, l'Angleterre en 2016 et la France en 2017 ont revu vraiment à la baisse ces recommandations-là. Maintenant, que ce soit pour l'homme ou la femme, pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 verres par jour. Et au moins un jour dans la semaine sans consommation d'alcool. Parce qu'on s'est rendu compte que même à faible dose, l'alcool commence à avoir un certain nombre de conséquences, surtout les cancers. Parce que l'Institut national du cancer en France, en 2015, a produit une étude qui montre qu'à partir d'un verre d'alcool par jour déjà, le risque d'apparition du cancer du sein est là. À partir de 2 verres chez la femme, le risque d'apparition du cancer du côlon. Donc ces recommandations, la tendance générale, c'est de les revoir à la baisse. Et de revoir vraiment toutes ces notions. Mais en réalité, l'OMS, c'est un guidelines et chaque pays devrait l'adapter à son contexte. Même la notion d'un verre contient 10 grammes d'alcool est à revoir dans chaque pays. Est-ce qu'une calebassée de l'eau contient effectivement 10 grammes d'alcool? C'est un travail que chaque pays doit mener en son sein. Phénomène de mode ou simple jeu générationnel, la jeunesse burkinabé se donne à cœur joie à la consommation de l'alcool. Cela va de la bière au dolo sans oublier les frélatés. Le constat est inquiétant dans les grands centres comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Même si devant la caméra, beaucoup affirment n'avoir jamais goûté à l'alcool, les maquis restent remplis de jeunes. Je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Daouda Ouattara et Lazare Pouya. Non, je ne consomme pas l'alcool. Bon, j'ai décidé comme ça de ne pas consommer l'alcool. Vu que l'alcool, je vois beaucoup de jeunes qui consomment l'alcool et puis ne se comprennent pas bien. L'alcool, je n'ai jamais appris à consommer l'alcool. Et je pense, je conseille également à tous ceux qui
ce livre, surtout vraiment aux boissons frélatées, ça ne m'encourage pas. Quand nous parlons de la modernité, beaucoup pensent que non, il faut se donner de l'alcool pour être libre, il faut se donner de l'alcool pour prouver vraiment sa joie. Moi, je n'en vois que le contraire. J'ai déjà goûté une fois. Bon, ce fut une mauvaise expérience parce que ce jour, j'étais tellement ivre que j'étais devenue très violente. Et j'insultais tout le monde. Et depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus prendre l'alcool. L'alcool est bien, mais moi, je pense qu'il faut modérer. C'est ça aussi qui compte. Parce que boire beaucoup, c'est bien, mais il faut savoir ce qu'on fait aussi. Trop boire, c'est dépassé là. C'est pas une vie. Bon, j'ai déjà goûté. Bon, moi, c'est avant, je prenais. Sincèrement dit, avant, bon, pendant les temps de fête comme ça, pendant la fête, je prends quelques bouteilles comme ça, quelques verres, quoi. Mais maintenant, bon, comme on m'a conseillé beaucoup, on dit non, que c'est pas bon. Du moins, aussi, bon, j'ai étudié, bon, je comprends un peu comment ça se passe. Donc, bon, je ne prends plus. J'aimerais dire aux jeunes d'arrêter de prendre un peu l'alcool. Parce que l'alcool, ça peut entraîner beaucoup de choses. Ça peut créer les accidents pendant les fins d'année. Bon, la fin de l'année, les jeunes se donnent à l'alcool. Et c'est un phénomène qu'on ne dirait même pas que c'est la fin de l'année, hein, parce que c'est devenu comme monnaie courante dans la plupart de la jeunesse. Donc les gens effectivement prennent l'alcool. Donc les gens prennent l'alcool et bon, à ce niveau, c'est remarquable un peu partout. Hein. Avec près de 4000 débits de boissons recensés en 2014 à Ouagadougou, on peut dire que l'alcool a de beaux jours au Burkina Faso. De la bière industrielle au whisky, en passant par les boissons frélatées et la bière de mille, c'est toute une gamme de produits proposés aux consommateurs. Quel est l'état des lieux de la consommation de l'alcool au Burkina Faso? Quelles en sont les conséquences et comment évalue-t-on la consommation de l'alcool? Élément de réponse dans ce reportage de Daouda Ouattara et Lazare Pouya. La consommation d'alcool est en passe d'être socialement admise dans les habitudes actuelles des Burkinabés, selon un recensement des mois de juin et de juillet 2014 de la police municipale de Ouagadougou. 3870 débits de boissons existaient dans la capitale, preuve que la consommation d'alcool augmente drastiquement. L'un des questionnaires les plus simples qui peut être utilisé dans le grand public, il s'agit d'un questionnaire qui se décrit sous l'acronyme DETA. D comme diminuer, la première question c'est: avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation d'alcool? Deuxième acronyme E, entourage. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques sur votre consommation d'alcool? Troisième acronyme T, avez-vous déjà ressenti que vous consommez trop d'alcool? Et la quatrième question A, avez-vous déjà eu besoin d'un verre d'alcool le matin pour bien vous sentir? Et si une personne répond plus d'une fois à l'affirmative à l'une de ces quatre questions, eh bien cette personne a une consommation excessive d'alcool. Selon une étude menée au sein du centre hospitalier universitaire Yalagro Ouédraogo par Dr Damien Ouattara, plus d'un tiers des patients consomment l'alcool. Sur un échantillon d'à peu près 400 patients répartis dans 14 services de notre hôpital de référence, eh bien nous avons déterminé qu'un tiers des patients sont des consommateurs. Et en termes de consommation excessive, nous avons pu déterminer grâce à nos outils que nos patients consommaient donc entre 8 à 10% de patients qui consommaient de façon excessive de l'alcool. Les boissons frelatées sont vendues partout au Burkina et à des prix fortement accessibles à tous. Cet état de fait constitue un danger public car la jeunesse s'adonne à cette pratique. Je vous assure que rien ne garantit que ce qui se vend dans les débits de boissons communément appelé frelaté, moi je ne mettrai pas ma main à couper que c'est vraiment la molécule C2H5OH, l'alcool. Donc, il faut vraiment légiférer parce que la population, en n'étant pas au fait des dangers qu'ils encourent. Même s'il est vrai qu'il y a des bières plus nocives que d'autres, l'attention doit être de mise et consommée avec modération. Je trouve que les bières de mille, les cabarets, sont beaucoup moins dosées que la bière industrielle. Toujours dans notre travail, la bière de mille qui a fait l'objet d'une étude scientifique pour doser le taux d'alcool, c'est la bière de mille du pays du sud-ouest. Il
est à peine dosé à 3%. À peine. Ça fait que la consommation d'un litre de l'eau de bière de mille traditionnelle, ben, ça ne vaut pas la consommation d'une seule bouteille d'une bière industrielle. Les fêtes de fin d'année sont les moments propices à la consommation excessive d'alcool. C'est récurrent qu'après les fêtes comme ça, eh bien, déjà les dégâts se voient au niveau des gens traumatologiques, parce que vous verrez que la plupart des accidents de la voie publique sont liés à l'excès d'alcool. Mais il y a aussi l'expression familiale qui dit la fameuse gueule de bois. C'est des gens qui se réveillent avec un malaise, qui ont du mal à manger, qui vomissent. En fait, ce sont tous là les conséquences d'une consommation excessive d'alcool. Et pourtant, la tranche d'espoir, la jeunesse donc, est en passe de se frayer un chemin dans l'alcoolisme. Le godet, selon leur jargon, pour désigner l'alcool, est aujourd'hui entre les lèvres de la jeunesse burkinabée. Pourtant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, conseille des seuils à ne pas dépasser. Pour un homme, il est conseillé de ne pas consommer plus de 210 grammes d'alcool par semaine et pour une femme, 140 grammes d'alcool par semaine. Alors, en représentation simple pour les Burkinabés, il faut dire que sur le marché, les bières industrielles les plus consommées, la moins dosée est à 4,2%. Pour des contenances de 65 centilitres, il faut dire que la bière industrielle la moins dosée au Burkina représente à peu près 20 grammes. Cela dit, donc en traduction, ça veut dire que pour une femme, il est conseillé de ne pas consommer, selon l'OMS, plus de 7 bières dans la semaine. Et pour un homme, un peu moins de 10 bières dans la semaine. L'Organisation mondiale de la santé dispose également qu'une personne qui consomme régulièrement l'alcool doit au moins laisser 24 heures dans la semaine sans consommer de l'alcool. Au-delà, l'on bascule également dans une consommation excessive. La situation est tout autre dans les formations sanitaires. Lors des consultations, les spécialistes de la santé ont remarqué que les intellectuels boivent plus d'alcool que les non-alphabétisés. Nous consommons beaucoup d'alcool. Et cette consommation est proportionnelle au niveau d'études. Alors, possiblement aussi au niveau des revenus financiers, mais la consommation d'alcool au Burkina est proportionnelle au niveau d'études. Donc les non-scolarisés consomment moins que ceux qui se sont arrêtés au niveau primaire. Ceux qui sont arrêtés au niveau secondaire consomment plus que ceux qui sont au primaire et ceux qui sont supérieurs consomment plus que tout le monde. Et la consommation va dans la moyenne 4 fois plus pour le niveau supérieur, c'est-à-dire qu'en moyenne, par semaine, les patients ayant eu comme niveau d'instruction au niveau supérieur consomment 4 fois plus d'alcool que les patients non scolarisés. Selon l'OMS, l'alcool est à la base de plus de 200 causes de décès dans le monde. L'alcool tue et il est nécessaire de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. L'Organisation mondiale dispose par exemple que pour une consommation ponctuelle comme pour les fêtes, il est conseillé de ne pas dépasser 40 grammes d'alcool. Autrement dit, toujours prenant en compte les bières, les alcools les moins dosés sur la place, il est conseillé de ne pas consommer en une fois plus de 2 bouteilles de 65 centilitres. Ça, c'est pour la consommation ponctuelle. Mais le problème de l'alcool n'est pas seulement ponctuel, en ce sens que l'alcool dans le temps est addictif. Donc en termes de conseils, l'OMS détermine qu'une consommation régulière d'alcool, ne devrait pas dépasser en fait 20 grammes. L'alcool tue plus de 3 millions de personnes par an dans le monde selon l'OMS et ces chiffres sont en nette augmentation. Il est donc temps de renverser la tendance et la jeunesse est mise à contribution. Professeur Wango, quelle est la différence entre boire de l'alcool et être alcoolique? Il faut d'abord revenir un peu sur les fonctions de l'alcool. Vous savez que l'alcool a un rôle social. Hein? Quand on dit l'alcool tue, c'est pas l'alcool qui tue, en fait, c'est l'abus d'alcool qui tue. Parce que l'alcool, effectivement, a une fonction sociale et dans cette fonction sociale, il facilite les échanges, il facilite même la collaboration. Quand vous allez dans nos campagnes, lors des mariages, même à Ouaga, lors des mariages, lors des baptêmes et autres, en tout cas tout ce qui est social, l'alcool est présent. Mais ce n'est pas sa nature qui tue réellement,
c'est le fait d'abuser qui tue. C'est le fait d'abuser qui rend alcoolique. L'alcool, boire de l'alcool, je vous dis, à faible dose, l'alcool, au contraire, ne fait pratiquement pas grand-chose dans l'organisme. Au contraire, bon, ça vous désinhibe. Ça fait que si vous étiez timide, vous arrivez de temps en temps à parler, ce que vous n'osiez pas faire, parce qu'il y en a qui boivent l'alcool pour aller faire la cour à une fille à qui... voilà. Et donc, c'est dire que à dose raisonnable, telle que donnée par l'OMS et par mes deux jeunes confrères, l'alcool n'est pas une mauvaise chose. Ça ne devient une mauvaise chose que lorsque l'individu s'y habitue, son organisme s'habitue, il y a une obligation de consommation et une obligation de consommer de fortes doses. Voilà, donc consommation régulière, consommation de doses élevées et surtout, à l'issue, troubles de comportement avec... la nervosité, les insomnies, etc. Là, on est devenu alcoolique parce que là, l'alcool devient la première priorité. Si on se lève le matin, j'ai reçu quelqu'un qui me disait que quand il descend de son lit, il lui fait un verre d'alcool et une cigarette. Là, cette personne est vraiment alcoolique. Voilà. Docteur Zungrana, on entend parler d'alcool frelaté. Quelle est la différence entre l'alcool frelaté et l'alcool normal? La différence entre l'alcool frelaté et l'alcool normal, c'est que l'alcool normal, c'est de l'alcool éthylique, encore appelé éthanol. C'est ça l'alcool normal. Maintenant, il y a d'autres alcools qui sont impropres à la consommation et qui peuvent se retrouver mélangés à l'éthanol. C'est en ce moment qu'on parle d'alcool frelaté. C'est le cas, par exemple, du mélange éthanol et méthanol. Méthanol étant l'alcool de bois, qui est obtenu par la fermentation de bois ou d'autres résidus de bois. C'est même un biodiesel, c'est un biocarburant. Il est utilisé dans le laboratoire de recherche comme un détergent. Donc cet alcool-là est très, très nocif et ne devrait pas, en tout cas, être retrouvé en consommation humaine, moyennant, en tout cas, certaines recommandations où on peut passer certaines quantités de méthanol, par exemple dans le vin rouge. Donc l'alcool frelaté, c'est le mélange éthanol-méthanol. Quelqu'un a une bouteille d'éthanol, il divise en deux et il ne complète pas de méthanol, c'est de l'alcool frelaté. Ou bien vous avez de l'éthanol dans lequel on va mélanger même de l'huile de moteur. De l'éthanol dans lequel on va ajouter des détergents et des lotions. Et c'est tout ça qu'on appelle alcool frelaté. Parce que même le méthanol. Dans le dolo, est-ce qu'il arrive qu'on ajoute du méthanol dans le dolo? Oui, même dans la production du dolo, il y a des problèmes. Parce que dans la production du dolo, le ferment qu'on va utiliser après pour la fermentation, s'il n'a pas été bien conservé, il peut induire, outre la présence d'éthanol, aussi du méthanol. Mais comme c'est des procédés traditionnels de fabrication, on ne sait pas comment faire pour chasser l'éthanol. Sinon, en industrie, c'est très facile. On sait que le méthanol, à 65 degrés, lorsqu'on le chauffe, déjà, il disparaît. Pour le méthanol, plutôt. L'éthanol, il faut monter à 79 degrés. Donc, en industrie, on peut éliminer le méthanol pour garder seulement l'éthanol. Donc, même dans nos procédés traditionnels de fabrication, parfois, c'est les alcools frelatés, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir que de l'éthanol dans ce contenu. Dans la cité de Sia, la consommation d'alcool est dans l'habitude de bon nombre de personnes avec une très forte ascension en milieu scolaire. L'alcoolisme reste un fléau avec des conséquences désastreuses sur l'organisme. Zoom sur l'état des lieux de l'alcoolisme à Bobo-Dioulasso dans ce reportage signé Karim Iliboudo et Mireille Carole Tougma. L'alcoolisme ou la consommation régulière d'alcool, un phénomène difficilement mesurable dans la ville de Bobo-Dioulasso. Cependant, une étude menée par le centre hospitalier universitaire Soro-Sanou laisse entrevoir l'ampleur du phénomène. Quelques données dont nous disposons sont basées sur une étude que nous avons réalisée en milieu scolaire en 2013.
dans 6 établissements de la ville de Bobo-Dioulasso. L'étude a concerné des élèves de la classe de 4e, 3e, 2e, 1er et terminale. De toutes ces promotions, quand on fait le récapitulatif, la proportion des élèves qui avaient expérimenté l'alcool s'élevait autour de 45,5%. Faisant les analyses, on se retrouvait avec une proportion de 7% des élèves qui étaient des consommateurs réguliers d'alcool. Ce n'est pas petit. C'est des enfants, c'est des adolescents. Ça donne un peu une idée de ce qui pourrait être l'ampleur du problème au sein de la population adulte. Des adultes qui consomment pour diverses raisons, la bonne compagnie aidant. Ce qui nous motive à boire la bière, de un d'abord, il y a les retrouvailles. Entre amis, pour échanger de tout et de rien. Et de deux, bon, on ne peut pas dire que ça peut nous faire oublier les soucis. Ce n'est pas nous faire oublier les soucis, mais en causant entre amis, bon, on oublie ce qu'il y a comme problème. Mais après ça, ça revient. Mais bon, de deux aussi, si tu as l'habitude de boire la bière, ça devient comme un quotidien. Quand il fait jour, bon, tu as l'intention, il faut que tu bois quelque chose avant de continuer ce que tu as à faire. Un quotidien avec son lot de conséquences sur la santé. L'alcool agit sur plusieurs organes, notamment le foie. Le foie prend le premier coup parce que il y aura d'abord des problèmes sur le métabolisme des graisses et le foie devient gras. C'est ce qu'on appelle la céatose. Voilà. Et les métabolites aussi ont des effets sur la fibrose. Et si bien que ça va accélérer la fibrose, le foie devient plus ou moins dur. Et c'est ce que nous appelons la cirrhose. Et toute cirrhose, quelle que soit son origine, est un état précancéreux qui peut évoluer à plus ou moins long terme vers un cancer du foie. Un danger plus important chez la femme enceinte. Une femme enceinte qui consomme de l'alcool, cet alcool va avoir une répercussion sur son fœtus. Voilà, ça va se répercuter sur son fœtus et l'enfant peut avoir des problèmes à la naissance. À cela s'ajoutent les risques d'accident. L'alcoolisme reste un fléau social. Et pour le docteur Malikoura, en ces fêtes de fin d'année, la modération doit être de mise à défaut de s'en passer. Professeur Wango, quelles sont les principales causes de l'alcoolisme? J'avais commencé au début en vous disant que ça commence par l'habitude de se faire plaisir. Et malheureusement, on se fait attraper. Bien de faire comme les autres. Oui, l'imitation, oui. Mais il y a d'autres causes. Parce que il y a l'hérédité. Vous savez, il y a des familles de buveurs. Hein. Il y a des gens, quand ils sont issus de ces familles-là, ils sont beaucoup plus vulnérables à l'alcool. Vous avez aussi... Donc, vous voulez dire qu'il y a une prédisposition à la consommation de l'alcool? Tout à fait. Et ça a été prouvé par des recherches d'un peu partout. Mais vous avez aussi certaines maladies mentales, quoi qu'on dise. Hein, ce que nous appelons la schizophrénie, c'est-à-dire la maladie mentale la plus grave et la plus chronique. Ça donne ce que nous appelons une appétence particulière, une envie de boire de l'alcool. Et ça, il y a des gens qui boivent de l'alcool parce qu'ils sont atteints de cette maladie. Vous avez surtout la grande population des gens anxieux, des gens super stressés, qui prennent l'alcool comme un tranquillisant. C'est-à-dire que quand ils sont énervés, quand ils sont mal dans leur peau, ils boivent de l'alcool, ils se sentent un peu détendu. Et vous avez des gens toute leur vie qui vont prendre cet alcool-là comme un tranquillisant, qui ne vont pas prendre des tranquillisants, mais qui ne vont pas non plus exagérer.
Donc cette consommation peut être dans les limites de la normale, hein, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est pour corriger, n'est-ce pas, des états, n'est-ce pas, enfin, ils ne sont pas bien, voilà, ils ne sont pas bien dans leur peau. De temps en temps, ils prennent de l'alcool pour s'y faire. Mais vous avez aussi quand même certaines personnes, hein, qui sont pauvres, qui ne trouvent pas autre chose à faire que de passer de cabaret à cabaret pour demander pour boire de l'alcool. Oui, parce qu'ils ne peuvent même pas s'en acheter. Non, ils ne peuvent pas, ils n'en ont pas les moyens. Donc, il y a beaucoup de causes, mais beaucoup de ces causes-là sont... Donc, vous voulez dire que la pauvreté aussi est une cause d'alcoolisme? D'alcoolisme, oui. La pauvreté est une cause d'alcoolisme. Et bon, évidemment, ça se discute. Mais si vous arrivez, même dans les pays d'Europe, la plupart des alcooliques chroniques, ce n'est pas des gens qui ont de l'argent. Hein? Vous regardez chez nous, c'est rare de voir vraiment... les grands commerçants, les grands fonctionnaires traînés dans la rue, même s'ils consomment un peu, la consommation chronique qui arrive à créer des conséquences néfastes dans l'organisme du sujet, la plupart du temps, ces gens-là sont pauvres. Docteur Zungran, vous voulez ajouter quelque chose? Comme le disait le professeur, puisque l'alcool, c'est un psychotrope. Donc, un psychotrope, c'est une substance qui a la possibilité d'induire l'humeur, soit augmenter l'humeur, soit baisser l'humeur. Donc en consommant l'alcool, effectivement, ça permet à quelqu'un, par exemple, qui n'a pas un emploi, mais d'oublier un temps soit peu ses problèmes. Et c'est ça qui va entraîner plus tard la dépendance. Quant aux facteurs génétiques, on ne peut vraiment pas nier leur rôle. Hein, le rôle est là, mais c'est toujours l'interaction gène-environnement. Parce que des études réalisées chez les vrais jumeaux ont montré que l'hérédité n'intervenait pas à 100%. Puisque les deux jumeaux ayant le même matériel génétique, si la génétique intervenait à 100%, ils devraient tous être touchés. Or, ils ne sont touchés que dans 35 à 40% des cas. Dans les 60% restants, ce sont les facteurs d'environnement. L'environnement familial, les violences depuis l'enfance, etc., etc., le facteur contextuel, tout ça va permettre aux jeunes de s'exprimer et aboutir à une dépendance à l'alcool, surtout la dépendance à l'alcool. Même si un gène en tant que tel n'est pas identifié, il y a un certain nombre de gènes codant pour le métabolisme de l'alcool qui peuvent être impliqués. Donc, quel peut être le profil type d'un alcoolique? Ça dépend. Si on prend l'âge, on a un auteur qui s'appelle Babor qui a travaillé là-dessus. Le type A, c'est ceux qui ont commencé à boire très tôt, avant l'âge de 20 ans. Ils sont exposés, en tout cas, à des affections psychotiques. Ils font plus de psychose, d'accord? Et ils ont plus tendance à faire de l'alcoolodépendance. Ils sont plus violents. Tandis que le type B, chez ceux qui ont commencé à consommer de l'alcool plus tardivement, l'évolution est plus lente. Il y a moins de risque de voir apparaître une alcoolodépendance. Donc déjà, l'âge, c'est un facteur de risque, mais aussi l'environnement familial. Quelqu'un qui est né dans une famille où on prépare le boulot, qui a commencé à boire depuis qu'il est très petit, tout ça, ça peut conditionner la survenue d'un alcoolisme ou d'une alcoolodépendance. L'alcoolisme étant justement l'incapacité pour la personne de maîtriser sa consommation d'alcool, avec le risque donc de voir des complications, soit somatiques, donc physiques, soit psychiques, ou même sociales apparaître. Donc il n'y a pas de seuil. Et alcoolique, tout sujet qui a du mal à maîtriser sa consommation d'alcool avec des conséquences somatiques, psychiques ou sociales. Découvrons le premier lot de questions des téléspectateurs, c'est avec Adama Koulibaly. Bonsoir Maïmouna, bonsoir chers téléspectateurs. Pour ce premier lot de questions, nous avons Madame Traoré Fatimata à Ouagadougou. Est-ce que l'organisme a besoin d'alcool pour son fonctionnement à un moment donné? Monsieur Idrissa Kafando, est-ce que la consommation d'alcool ne peut pas être due à une contrainte sociale, par exemple un cadre de vie perturbé? Comment la personne peut faire alors pour s'en sortir? Ensuite, Madame Kafando Socratine, comment aider une personne à abandonner la consommation d'alcool? Existe-t-il des produits pharmaceutiques?
Monsieur Tanou à Pisila, est-ce que les boissons gazeuses et autres sodas contiennent de l'alcool? Monsieur Noun Traoré à Ouagadougou, quels sont les méfaits de l'alcool sur le système nerveux? Monsieur Dulkoum à Yako, quelle boisson un diabétique peut-il consommer? Souvent, on entend dire qu'un malade qui souffre de diabète peut juste consommer un peu de vin. René Zango, est-ce qu'il y a une relation entre l'alcool et la goutte? Et enfin, nous fessiez à Bamfoura, pourquoi ne pas augmenter le prix des boissons alcoolisées pour diminuer leur consommation, vu que l'alcool est souvent cause de nombreuses situations dramatiques? C'est tout pour ce premier lot de questions. Merci, Adama Koulibaly. Question des téléspectateurs. Madame Traoré, est-ce que l'organisme a besoin d'alcool à un certain moment pour pouvoir bien fonctionner? Docteur Zungrana. Pas en tant que tel, parce que l'alcool est un nutriment énergétique, tout comme les autres nutriments à base de glucose. Parce que l'alcool délivre 7 kilocalories comme énergie. Cette énergie-là est utilisée pour les besoins du foie qui dégrade l'alcool en priorité. Mais pas toute cette énergie, seulement une partie est utilisée pour ce qu'on appelle le métabolisme basal. Le reste est stocké sous forme de graisse dans les muscles et seront utilisés sous forme d'énergie au bout de 2 voire 3 semaines. Donc il n'y a pas, et l'alcool ne devrait pas intervenir pour plus de 25% de l'apport énergétique de la journée. C'est un nutriment, mais qui n'est pas aussi utile que les autres nutriments énergétiques dont le produit final est le glucose. Donc l'organisme peut fonctionner sans alcool. Sans alcool, s'il y a les autres nutriments énergétiques. Est-ce que la consommation d'alcool ne peut pas être due à une contrainte sociale, par exemple un cadre de vie perturbé? Comment la personne peut faire alors pour s'en sortir? Professeur Wango. Oui, je disais que on peut consommer de l'alcool comme médicament contre le stress, donc contre une tension familiale, sociale. On essaie de baisser la tension avec l'alcool. Ça peut plus ou moins diminuer. Mais la nocivité de l'alcool ne commence qu'au-delà, n'est-ce pas, de l'abus. Au-delà, n'est-ce pas, d'une certaine dose. S'il se trouve que vous ne dépassez pas, n'est-ce pas, les 10 grammes et que ça vous arrange, il n'y a strictement pas de problème. Mais c'est lorsque vous allez au-delà des normes prescrites que vous avez des risques. Donc, avoir des contraintes sociales et boire de l'alcool, bon, d'abord, il y a un gros problème. Ce n'est pas l'alcool qui va gérer ces problèmes-là. Il faut faire face à ces problèmes. Il faut demander de l'aide éventuellement si c'est nécessaire. Parce que si on s'adonne à l'alcool, on a même ce risque, n'est-ce pas, de dépendance dont nous parlons depuis le début. Et il faut donc essayer de faire face à ces problèmes sociaux. Comment s'en sortir? C'est cela. Essayer de faire face à ces problèmes sociaux. De toute façon, quoi qu'on dise, tout problème a quelque part une solution. Souvent, on ne la cherche pas. Et on veut à tout prix que ce soit la solution immédiate et toute seconde. Non, on peut toujours, au lieu de taper son front contre un mur parce qu'on a des difficultés sociales, il faut toujours chercher un dérivatif. Il y a toujours une porte, il y a toujours une fenêtre quelque part dans la vie de chaque individu qui nécessite qu'on la cherche. Mais si vous pensez que c'est l'alcool qui va gérer ça, ben vous tombez dans l'abus et ça vous pose des problèmes plus que ça n'en résout. Est-ce que les boissons gazeuses et autres sodas contiennent de l'alcool, Dr Zungrana? Non, les boissons gazeuses et autres boissons ne contiennent pas de l'alcool. D'accord. Quelle boisson pour un diabétique? Est-ce qu'on peut consommer du vin quand on est diabétique? Le diabétique ne doit pas consommer de l'alcool, tout comme les autres sucres rapides. Parce qu'en réalité, l'alcool, c'est aussi un sucre rapide, mais seulement qui est fermenté. Donc, il faut retenir que
le diabétique, tous les sucres qui passent rapidement dans le sang, ce qu'on appelle les sucres rapides, anciennement appelés sucres rapides, maintenant on les appelle les sucres à index glycémique élevé, sont contre-indiqués. L'alcool rentre dans la même catégorie, parce que tout de suite, ça parvient donc dans la circulation sanguine et ça va aggraver la glycémie qui est déjà élevée chez ce diabétique-là. Je vais juste dire à la personne qui a posé cette question que le diabète est déjà un problème grave de santé. Et quand on est face à des problèmes graves, il ne faut pas en rajouter. Il n'y a pas à choisir une boisson alcoolique parce qu'on est diabétique. Il y a tout simplement à abandonner l'alcool. Il faut l'arrêter, n'est-ce pas? Il faut l'arrêter tout comme on doit arrêter forcément tout ce qui peut contenir du sucre et qui est susceptible d'augmenter la glycémie. Donc, il n'y a pas de choix. Les diabétiques, le gros conseil que je leur donne, c'est d'arrêter de boire l'alcool plutôt que de chercher des alcools qui puissent leur convenir. Et quels sont les méfaits de l'alcool sur le système nerveux, professeur? Bon, alors, le système nerveux, vous savez que c'est grâce à lui que nous fonctionnons, c'est grâce à lui que nous marchons, nous parlons, nous écoutons, nous entendons, etc., etc. Si vous buvez de l'alcool, la substance va tout de suite au niveau des cellules profondes du cerveau, qu'on appelle les neurones. Et malheureusement, la cigarette et tout ce qui est excitant, n'est-ce pas, tout ce que nous appelons substances psychoactives, dont l'alcool, entraîne la destruction de ces cellules-là. Et vous allez voir, au bout d'un certain temps, des difficultés de marche chez les alcooliques chroniques. La marche, ça dépend du système nerveux. Vous avez, n'est-ce pas, des difficultés de toutes sortes, hein, au niveau de l'organe, il y a les tremblements, hein, n'est-ce pas? Il y a, sur le plan du comportement, l'irritabilité, hein, donc l'nervosité. Vous avez même des troubles du sommeil. Tout ça, ça vient de la destruction des cellules nerveuses. Quoi qu'on dise, Dieu a mis dans la tête des uns et des autres un nombre fixe de neurones. Plus vous les détruisez, plus vous arrivez à des situations regrettables. Voilà. Donc, l'alcool et le système nerveux, c'est vraiment deux individus en guerre. Hein. Ils ne peuvent pas cohabiter. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que concernant les atteintes au niveau du système nerveux, il faut voir d'abord les complications aiguës. Il peut en résulter un coma éthylique qui peut être mortel. Au-dessus de 3 grammes d'alcool par litre, un coma peut survenir. Et si le sujet n'est pas tout de suite transféré en réanimation, la mortalité est proportionnelle à la qualité et à la rapidité de la prise en charge. Elle est inversement proportionnelle. Donc c'est quand même assez grave. Parce que le bulbe rachidien est atteint. Or, c'est le bulbe qui est le centre de la respiration, qui fait fonctionner le cœur, la digestion et autres. Lorsque le bulbe est atteint, on a un coma profond. Donc ça, c'est la complication aiguë. Mais on a des complications chroniques chez les alcooliques chroniques, hein, ceux qui sont alcoolodépendants. Ils sont obligés de boire, de consommer de l'alcool pour ne pas voir apparaître certains symptômes, une agressivité, un délire, des convulsions. Donc ils sont obligés de consommer de l'alcool pour calmer ces symptômes-là. Et c'est ce qu'on appelle le délirium tremens, qui est la complication vraiment la plus redoutable et qui est grévée d'une mortalité vraiment qui n'est pas négligeable. Mais à côté du délirium tremens, d'autres types d'encéphalopathie alcoolique carentielle, parce que l'alcool entraîne des carences, surtout la carence en vitamine du groupe B1. Cette vitamine du groupe B1 qu'on retrouve dans les céréales complètes, dans l'enveloppe des céréales, c'est elle qui intervient chaque fois pour métaboliser le sucre que nous consommons. Et l'alcool surutilise cette vitamine B1. Comme c'est des sujets anorexiques qui ne mangent pas bien, ils sont souvent carencés en cette vitamine-là. Il y a une complication qui peut apparaître qu'on appelle l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Si elle, on ne la gère pas, par la vitamine B1 à forte dose, on a un autre syndrome qu'on appelle le syndrome de Korsakoff,
qui peut encore apparaître, qui est encore plus grave. Et ça, ça se manifeste comment sur l'individu? Ça se manifeste par des troubles neurologiques, ça veut dire des fourmillements, ce qu'on appelle des neuropathies périphériques, des fourmillements au niveau des pieds, oui, des tremblements, une agitation, des crises épileptiformes. Le professeur peut témoigner des délires, des hallucinations visuelles. Ça peut prendre toutes les formes. Et c'est grévé d'un pronostic d'une mortalité qui vraiment n'est pas négligeable. Donc sur le long terme, on se rend compte que les complications neurologiques, quand même, si les carences nutritionnelles ne sont pas corrigées et qu'un sévrage alcoolique n'est pas entrepris sur ce patient, il risque de perdre la vie. On reviendra là-dessus, sur les, comment aider la personne à... Oui, il y a une question par rapport à cela. Mais en attendant, est-ce qu'il y a une relation entre l'alcool et la goutte? Je ne connais pas de relation directe entre l'alcool et la goutte. Non, c'est pas, c'est, l'alcool n'entre pas dans les mécanismes d'apparition de la goutte. Hein. Donc, si la personne a la goutte, c'est autre chose. D'accord. Et comment aider une personne à abandonner la consommation de l'alcool? Est-ce qu'il existe des produits pharmaceutiques pour faciliter le sévrage? Bon, d'abord, il y a d'abord ce qu'on appelle le sévrage. Hein. C'est une technique, parce que les gens pensent que le sévrage, bon, c'est arrêter. On se lève du jour au lendemain, on arrête. Oui, non. Il y a une technique spécifique. Et en quoi consiste le sévrage? Il faut d'abord que la personne soit d'accord pour arrêter. Parce que nous, on nous amène souvent des alcooliques en disant « faites tout pour qu'il arrête ». Si la personne n'est pas d'accord, le sévrage ne marchera jamais. Il faut une décision. Et pour que la personne soit d'accord, il faut d'abord lui expliquer ce qu'est l'alcool, ce que l'alcool fait, quelles sont les conséquences éventuelles et surtout, à l'étape où la personne est devant vous, qu'est-ce qui pose problème dans son organisme et dans sa façon de vivre, et d'échanger avec elle. C'est la base de tout. Hein. Il y a d'abord l'accord du patient. Il y a ensuite l'information que le praticien doit donner. Et surtout, il y a ce qu'on appelle un protocole de sevrage. Et ce protocole de sevrage doit être conduit par le spécialiste et le patient lui-même, éventuellement avec un aidant ou deux. Mais on ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire « Ah, j'ai fait du sevrage », ça ne marche pas, puisqu'il faut renforcer davantage la force de la personne à vouloir arrêter. C'est ça, le renforcement de la personnalité. On ne peut pas dire à un alcoolique comme ça « Arrête ». Il faut aller avec elle dans le fond même, hein, du pourquoi elle est alcoolique et de comment... Et par quel chemin il faut venir. Et donc, c'est un processus assez long. Hein. Ce n'est pas en une semaine. Ça peut prendre combien de temps? Ça dépend de la personne. Mm. Hein. Il y a des sevrages qui peuvent progresser pendant au moins 6 mois avant qu'on arrive à avoir vraiment un résultat. Correct. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il existe... Oui, allez-y. Je voulais compléter parce que comment aider quelqu'un, un alcoolique, à arrêter de boire? Il y a deux situations essentiellement. Il y a ce qu'on appelle... les consommateurs excessifs. Ça veut dire qu'eux, ils consomment beaucoup d'alcool, mais ils ne sont pas encore dépendants de l'alcool. Chez eux, on peut négocier. Le médecin peut négocier une certaine responsabilisation, s'il y a une certaine bonne relation avec le patient, en expliquant, comme l'a dit le professeur, qu'il comprenne les enjeux de cette prise d'alcool-là sur sa santé, sur ses relations familiales, professionnelles et autres. Donc là, on peut négocier. Mais chez les sujets alcoolo-dépendants, effectivement, comme il a dit, il faut le sévrage. Et là, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs entités. On a ce qu'on appelle les centres de cure ambulatoire en alcoolologie, où ce sont des patients qui viennent volontairement, ça c'est toujours la condition, et qui sont où on peut dépister l'alcoolisme, on peut aussi traiter l'alcoolisme. Mais lorsque on a un délirium tremens qui est vraiment grave, le sévrage est conduit en milieu hospitalier. Généralement, le protocole utilisé, c'est 21 jours d'hospitalisation. Et le malade est surveillé par le personnel médical. On sait qu'il ne va pas consommer de l'alcool et qu'on va voir le risque d'apparaître certains types d'agitation.
Et là, parce que quand le manque... Ah oui, apparaît. On a toute la gamme qui est là. On a des neuroleptiques sédatifs qu'on va mettre à forte dose. On a des vitamines du groupe B qu'on va y adjoindre. On a même des médicaments qui aident au sévrage. Il y a deux essentiellement, la camprosate et puis le baclofène, qui aident à réduire cette dépendance au système nerveux là, du système nerveux à l'alcool, via certains mécanismes, via certains récepteurs. Donc il y a des médicaments actuellement pour aider au sévrage. Mais la condition, c'est qu'il y ait un suivi post-cure. Parce qu'après l'hospitalisation, ailleurs en Europe, ils ont des centres aussi post-cure qui vont interner le malade juste pendant 1 à 3 mois pour poursuivre le travail. On a même des associations. Est-ce qu'il y a ce genre de centre ici? Malheureusement, on n'en a pas encore. On a un centre de sévrage pour le tabac, mais on en parlait la dernière fois. Ce sont des addictions croisées, hein. L'alcoolisme, le tabagisme, la consommation de drogue, c'est la théorie des addictions croisées. C'est toujours mieux de les gérer ensemble dans des centres de sevrage mixtes. Sinon, les taux d'échec peuvent être assez importants. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Chez les buveurs excessifs, on va faire ce qu'on appelle le repérage précoce et l'intervention brève. Ça, c'est le niveau communautaire. On les repère, on essaie de les sensibiliser. Mais pour les alcoolodépendants, il faut un syndrome de sevrage, soit en hospitalisation, soit dans un centre de cure ambulatoire, mais il faut des centres de post-cure aussi. Donc, c'est vraiment toute une chaîne. Il faut vraiment qu'on travaille à les avoir parce que nous sommes sérieusement en retard par rapport à ce type de prise en charge. D'accord. Professeur Mangwe, est-ce que l'alcool est plus nocif que la drogue? Ils sont tous les deux aussi nocifs l'un que l'autre. Ils ont à peu près le même mécanisme d'action au niveau du cerveau et au niveau du système nerveux central. C'est l'intoxication progressive justement des cellules qui entraîne un certain comportement malheureusement qui va aller en se compliquant. Bon, je voulais juste ajouter que par exemple pour ce qui concerne le sevrage des buveurs chroniques, pas s'amuser à le faire dans n'importe quelle condition, pas même dans n'importe quel hôpital. Il faut obligatoirement avoir la possibilité d'une réanimation. Parce que la personne peut perdre connaissance. Elle peut mourir si vous n'avez pas la possibilité de réagir vite et bien et de façon précise. Il faut du personnel formé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant et qui... Ouais, c'est bien. Tout le monde va dans le net. Et on lit et on pense qu'il y a des possibilités. Moi, je ne conseille pas. Mais est-ce qu'au Burkina, ici, le plateau technique permet de prendre en charge ce genre de sévrage? Oui, si vous êtes dans un hôpital, où vous avez la possibilité de réanimation. D'accord? Mais si vous êtes dans les CMA, où c'est déjà pas facile, n'essayez pas de faire un sevrage, surtout lorsque le patient est vraiment chronique. Parce que vous allez l'hospitaliser, quand ça va réagir extrêmement fortement. Et si le personnel n'est pas formé, vous n'y arriverez pas. Existe-t-il des liens entre l'alcoolisme et les maladies chroniques? Oui, il existe un lien. D'ailleurs, le ministère de la Santé a conduit cette grande enquête STEPS là, en 2013 avec l'OMS, la commission de la CEDEAO, qui visait justement à déterminer les facteurs de risque communs aux maladies chroniques non transmissibles. Donc, et l'alcool fait partie justement de cela. Et cette étude a permis de révéler, par exemple, que chez les 25 à 64 ans, on a 27,3% de la population qui ont consommé de l'alcool les 30 jours ayant précédé l'enquête. Donc, c'est quand même assez important. Et cet alcool-là, je vous parlais tantôt du cancer du sein. Beaucoup d'études ont prouvé qu'il est impliqué dans le cancer du sein, le cancer du gros intestin, le cancer des voies aérodigestives supérieures, le cancer de l'œsophage, où il travaille beaucoup avec le tabac. C'est le fait de patients alcoolo-tabagiques et qui développent ces cancers, la voie aérodigestive supérieure, œsophage. Donc vous voyez qu'on a toute une panoplie de cancers dans laquelle actuellement l'alcool est impliqué. Le simple fait même de boire un spiritueux,
dont la concentration alcoolique est entre 40 et 55 degrés, le fait même de brûler là, l'inflammation chronique fait le lit du cancer. Ne serait-ce que ça déjà est un facteur de risque de cancer de l'œsophage. N'en parlons pas des maladies comme l'hypertension artérielle, parce que l'alcool a des effets contradictoires. À faible dose, il dilate les vaisseaux, mais à consommation chronique, il entraîne une constriction des vaisseaux et peut favoriser une augmentation de la tension artérielle. Donc, l'alcool intervient dans la plupart des maladies chroniques non transmissibles. Sans compter aussi que beaucoup d'alcool vont permettre de fabriquer des graisses qu'on appelle les triglycérides, qui vont se déposer au niveau du foie, donner ce qu'on appelle des foie gras alcooliques. Ça aussi, ça peut avoir des conséquences. Et la bédaine ? Oui, la bédaine, c'est aussi une conséquence de la prise d'alcool, parce que ça fait beaucoup d'énergie qui seront stockées sous forme de graisse, malheureusement au niveau de la moitié supérieure du corps, déterminant ce qu'on appelle une obésité androïde, donc de type masculin. On dit mieux vaut loin du cœur. Hein, quand, voilà, quand c'est au niveau du bassin, c'est mieux que quand c'est au niveau du ventre. Donc ça prédispose à faire aussi des maladies cardiovasculaires. Mais tout ça, c'est l'excès d'énergie, parce que l'alcool est un nutriment énergétique qui n'est pas contrebalancé par une activité physique importante et régulière. Donc le bilan énergétique fait qu'on va prendre du poids, et malheureusement, c'est au niveau de la moitié supérieure du corps. À présent, le deuxième lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Adama Koulibaly. On a très peu de questions pour cette deuxième série. D'abord, une personne qui buvait beaucoup d'alcool et qui arrête subitement, est-ce qu'elle doit faire des examens pour savoir son état de santé? Ensuite, M. Natama Afada, l'État ne peut-il pas demander aux industries de réduire la production d'alcool? Et enfin, Fidèle Sourabier, est-ce qu'il existe des organes dont le dérèglement peut conduire une personne à boire sans être jamais sous? C'est tout pour cette deuxième série de questions. Adama Koulibaly. Arrêt subi de consommation d'alcool, quel peut être l'impact sur la santé? Professeur? Ça ne peut être qu'un impact positif et même très positif. On a expliqué tout à l'heure. Là, ça perturbe le fonctionnement du foie, ça perturbe le fonctionnement des nerfs, ça perturbe le fonctionnement du cœur. Donc, si vous arrêtez un perturbateur, vous allez amener le calme. Donc, je pense que arrêter de boire, c'est très bien. Maintenant, si la personne a arrêté de boire parce qu'elle souffre d'un problème du foie déjà, hein, elle a intoxiqué son foie, elle a les autres conséquences et tout, il est évident effectivement qu'il faut que la personne s'adresse au corps de santé. Parce que la personne veut savoir s'il faut faire des examens pour... Tout le monde doit faire des examens périodiquement, tout le monde. Hein, ce qu'on appelle en anglais le check-up, tout le monde devrait le faire. Ne serait-ce que voir le fonctionnement de son corps. De son cœur, de son foie, de son sang, hein, par tout ce qui est glycémie et autres, ce serait une bonne chose de le savoir. Si effectivement vous avez bu pendant un long moment et de façon exagérée, si vous arrêtez brusquement, ce serait bien de contacter les jeunes médecins qui vont même pouvoir... Même les vieux. Non, non, les vieux sont fatigués. Ils ont laissé la place à ces brillants médecins qui savent exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Est-ce qu'il existe des organes dont le dérèglement peut conduire une personne à boire sans être jamais sous? Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas égaux face à l'alcool. Là encore, les gènes interviennent. Je vais donner un ou deux exemples. Pour une consommation d'alcool qui va jusqu'à 150 grammes d'alcool par jour, ça veut dire 15 verres, que la personne ait bu sur place cet alcool tout le long de la journée. On a un autre système enzymatique qui intervient pour dégrader l'alcool, autre que les deux principaux. Les deux principaux, c'est l'alcool déshydrogénase et l'aldéhyde déshydrogénase. Il y a un troisième qui va entrer en jeu qu'on appelle la catalase.
Et cette catalase va dégrader plus rapidement l'alcool, faisant que cette personne pourra consommer de plus en plus d'alcool sans sentir les effets. Malheureusement, on aura des conséquences sur le noyau de la cellule, parce que ça va libérer des radicaux libres qui vont altérer certains éléments au niveau donc du noyau de la cellule. Et c'est tout ça qui peut induire des cancers du foie. Donc, l'organisme a des méthodes d'adaptation. C'est pourquoi je mets toujours en garde les buveurs occasionnels. Le problème, c'est à leur niveau. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de consommer de l'alcool, qui à l'occasion d'un événement, d'une fête de fin d'année par exemple, en consomme une grande quantité. Elle s'expose au coma alcoolique avec risque de mort si jamais cette personne-là n'est pas transférée rapidement en réanimation. D'accord. Mais pour les personnes qui consomment de l'alcool de façon chronique, l'organisme a développé des mécanismes pour dégrader plus facilement l'alcool. Il y a d'autres exemples. Les Asiatiques aussi, il y a une partie des Asiatiques qui n'ont pas l'ADH, l'enzyme pour dégrader l'alcool. Donc eux, ils sont plus sensibles à une faible consommation que d'autres. Donc, il y a des variants comme ça, génétiques, populationnels, ethniques, raciales, qui font qu'on n'est pas tous égaux face à la consommation d'alcool. Donc il ne faut pas suivre les gens. Professeur Wango, est-ce que trop de soucis peut provoquer une maladie mentale? Une question de Mariam Ouedraogo Abobo. Bien sûr. Quand on a trop de soucis, est-ce qu'on peut développer une maladie mentale? Ça dépend de ce que la personne comprend par maladie mentale. Est-ce que trop de soucis peuvent se traduire sous forme de souffrance psychologique? La maladie mentale, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grave. Mais la souffrance psychologique, c'est un état de mal-être, n'est-ce pas? Alors, si on a des problèmes, évidemment, on ne dort pas bien. Tout à fait. Si on a des problèmes, on ne mange pas bien. Si on a des problèmes, on n'a pas tellement envie d'aller prendre contact avec les uns les autres. Donc finalement, on reste cloîtré en soi-même et tout, on n'échange pas beaucoup. Évidemment, on peut donc avoir effectivement ce que moi j'appelle la souffrance mentale, mais ça peut déboucher en fonction de la personne sur une maladie mentale. Et lorsque c'est la maladie mentale, c'est quand même beaucoup plus important. Dans cette question, je pense que c'est une interpellation. Pourquoi ne pas augmenter les prix de boissons alcoolisées pour diminuer leur consommation, vu que l'alcool est souvent la cause de nombreux drames? Et puis, cette autre question, l'État ne peut-il pas demander aux industries de réduire la production d'alcool? Il faut reconnaître que ça doit être un gros business, la production d'alcool. Est-ce que l'État peut interdire, demander aux industries de réduire? Bon, la là, la question ne devrait pas être posée aux médecins. Parce que il faut se dire qu'il y a des dispositions légales qui sont prises, malheureusement, qui ne sont pas appliquées. Par exemple, quand le docteur parlait d'éviter la consommation de l'alcool par les tout jeunes et autres, on devrait pouvoir interdire ça, n'est-ce pas? Mais réduire la production, l'entrée de l'alcool dans le pays, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. J'avais pour habitude de dire aux gens, quand je faisais les conférences sur le sida, je disais, mais vous dites qu'il faut renvoyer les prostituées d'où elles viennent. Mais si vous n'allez pas les trouver, elles ne vont pas venir. Tout à fait. Même si elles arrivent et elles ne vous trouvent pas, elles repartiront. Donc ce n'est pas l'État qui peut tout faire. C'est vous, de par votre comportement, qui pouvez faire en sorte que l'alcool soit réduit dans les différents pays. Prendre des textes pour réduire, tant que les individus ne prennent pas conscience que c'est destructeur pour eux-mêmes, ça ne sert strictement à rien du tout. Et les Burkinabés actuellement... chacun, excusez-moi d'être très vulgaire, chacun déconne et dit l'État doit venir résoudre le problème. Non, c'est à nous de résoudre l'État, le problème. L'État, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est à nous. Et puis, on va parler un peu de l'alcool et la sécurité routière. Rapidement, professeur. Oui, mais vous savez qu'il y a, une institution qui s'occupe de ça. Et il se trouve qu'il développe
beaucoup d'instruments de sensibilisation. À la télé, nous voyons tout le temps la sensibilisation, etc., etc. Mais les gens ne regardent, ou bien ils regardent et n'écoutent pas, et en tout cas, ils ne retiennent pas les conseils qui sont donnés. Mais moi je me dis que pour la sécurité routière, ils font du bon travail, et c'est à nous, encore une fois, de pouvoir nous dire que si je quitte Coupéla aujourd'hui et je dois rentrer sur Ouagadougou, je ne dois pas boire deux bières. Je ne dois même pas en boire une. Je vais arriver à Ouagadougou avant de boire ma bière. Tout à fait. Donc c'est responsable. Mais bon, si nous-mêmes nous sommes irresponsables, on s'assoit dans les débuts de boissons, on absorbe des quantités d'alcool et on se met au volant, on sait très bien que ce qu'on fait là est dangereux. Tout à fait. Nous avons parlé des traitements disponibles pour aider les alcooliques à s'en sortir, donc notamment le sevrage, comme vous avez parlé des différentes étapes pour le sevrage. Mais comment éviter la récidive? Comment éviter la récidive, justement, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Mais avant, je vais parler de la prévention primaire pour appuyer ce que le professeur a dit. Il faut sensibiliser l'ensemble de la population aux méfaits de l'alcool. Et là, les relais communautaires doivent beaucoup intervenir dans cette sensibilisation. Ça, c'est la prévention. Voilà, ça, c'est la prévention primaire. Maintenant, la prévention secondaire, c'est chez les alcoolodépendants, comment éviter qu'ils puissent récidiver. C'est vraiment le suivi. Comme le professeur l'a dit, il faut des centres très bien organisés où on a un psychiatre, on a un gastro-entérologue, un hépatologue qui suivent ces patients-là régulièrement. D'accord, qui font des consultations à tous les niveaux, le bilan somatique, le bilan sur le plan psychiatrique, etc., etc., et qui rentrent dans un moule, dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, ou encore les groupes de parole, où ils se retrouvent avec d'autres pour échanger, hein, où on a même des associations d'anciens consommateurs d'alcool qui peuvent montrer, témoigner et montrer comment eux, ils ont procédé justement pour arrêter cette consommation d'alcool. Maintenant, sur la sécurité routière, je voulais juste ajouter qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation. Maintenant, il faut passer à l'acte. La police devrait avoir soit des alcotests. En soufflant dedans, ça change de couleur. On sait qu'il y a de l'alcool ou un dérivé. Voilà. Ou un éthylotest, où c'est dans l'air expiré, on peut déjà isoler l'alcool. Quand l'éthylotest est positif, on passe au dosage de l'alcool dans le sang. Au-delà, à partir de 0,50 g d'alcool par litre, on ne doit plus conduire. En sachant que l'alcool est éliminé, à une cinétique de 0,15 g par litre et par heure. Ce n'est pas évident. Quelqu'un qui boit deux bouteilles de bière, ça veut dire qu'il ne peut pas conduire avant 2 heures, 3 heures de temps. 0,15 g par litre et par heure, l'élimination. Donc, il faut maintenant vraiment passer à cette phase. Je ne dis pas de répression, mais il faut quand même qu'il y ait de la coercition, surtout pendant ces fêtes de fin d'année. Et comment prévenir de façon générale l'alcoolisme, professeur Wango? Il faut d'abord de la sensibilisation, mais de la bonne sensibilisation avec des messages ciblés et très clairs. Les gastro-entéro-hépatologues ont, n'est-ce pas, des informations, mais qu'il faut mettre à la disposition des populations, mais dans un langage compréhensible. Tout à fait. Parce que souvent, nous, les médecins, on a ce défaut-là de donner des informations avec des mots compliqués. Il faut faire comprendre aux gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait que dans l'organisme, là, le foie se situe à tel niveau, il fonctionne de telle façon et tout. Donc, il faut que nous puissions donner cette information. Il faut ensuite, hein, par exemple, l'information de combien de verres de bière c'est pas recommandé de prendre chaque jour. Par exemple, cette information, il faut la pousser, mais il faut pas non plus que ce soit à la télévision ou à la radio seulement. Allons sur le terrain. Il y a les associations qui sont là. Parlons-leur, expliquons-leur, mettons à la disposition de ces associations-là les instruments nécessaires pour faire l'éducation de la population contre l'alcoolisme. Et vous avez aussi, actuellement, là, vraiment, le Burkina est bien, on a les radios local, rural. Ce sont des radios de proximité. Mais par exemple, si le MCD, le médecin-chef du district,
avec son staff, s'organise pour des discours, enfin, pour, disons, des émissions très simples à l'endroit de la population et notamment au moment où il y a beaucoup d'alcool, hein, les fins d'année, etc., etc. Voilà. Donc, pour prévenir l'alcool, il y a ça. Il a parlé de prévention secondaire. Mais là, il faut que le ministère, les services de santé s'organisent pour effectivement s'occuper de ces alcooliques qui sont malheureusement déjà partis. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses, mais il faut que ce soit des choses simples et accessibles à la compréhension même des populations. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Donc, merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes à l'occasion de cette fin d'année. Rendez-vous donc en 2018. Plaise à Dieu pour de nouvelles émissions de Santé Mag. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG. L'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure. Soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de couperie, Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. Garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques.